Alors, dans un autre registre que la transformation d'un grand groupe comme Orange ou du groupe Rocher, mais également avec une conviction sociale chevillée à son cœur, comme c'est le cas pour le groupe Rocher, Béatrice Massé nous parlera des Transmusicales de Rennes, une association qu'elle a cofondée en 1979, qui a pour fonction sociale d'être utile à la fois pour le public et pour les artistes. Et comme le monde a changé depuis 1979, les trans se sont eux aussi métamorphosés. Béatrice nous parlera de la métamorphose de son association, qui organisait 20 concerts l'année en une association capable d'en organiser 90 en 5 jours. Béatrice, vous l'avez compris, est une véritable passionnée de la musique et du milieu artistique. Elle est venue à Rennes il y a plus de 40 ans pour faire des études de l'histoire de l'art, puis a fait des études de linguistique, puis elle décide de quitter ce monde académique et de vivre une vie entourée d'artistes et de musique. Écoutons Béatrice Massé. Merci beaucoup. Non, j'en ai pas besoin parce qu'en fait, pour le coup, vous avez. Okay, super. Donc en fait, vous allez voir les 41 affiches des trans du festival, voilà, qui vont, comment dirais-je, s'enchaîner. Donc effectivement, merci à, comment dirais-je, à Zenica, au Gobelin et à Rennes Club Business de l'invitation. Donc pour moi, c'est un vrai challenge parce que c'est la première fois en fait que je vais raconter le parcours, on va dire, de construction. Voilà, de construction de cette aventure qui dure depuis maintenant effectivement 40 ans et dont le slogan maintenant depuis 3 ans est « Nouveau depuis 79 ». Voilà, donc, oui, voilà. Voilà, donc vous allez le voir, on est effectivement né vraiment en 79, on n'est pas du tout né en tant que festival. Voilà le terme même festival, on a mis plusieurs années avant de l'intégrer à notre vocabulaire. Voilà, c'est un parcours aventureux parce qu'en fait, il n'a pas du tout été prémédité. En fait, les premières trans se sont passées le 14 et 15 juin 1979 et sont un concert de soutien à l'association Thérapin. Et effectivement, je confirme le propos d'Ignace, il y avait à l'époque 20 concerts en tout et pour tout. Il n'y avait pas que nous à les faire, 20 concerts en tout et pour tout à Rennes par an. Aujourd'hui, sur une petite semaine, il y a effectivement 20 concerts par semaine. Voilà. Donc c'est une période excessivement différente. Voilà, c'est un contexte que nous ne connaissions, aujourd'hui on ne le connaît plus ce contexte. Le rock était encore à bien des égards une contre-culture et effectivement une pratique culturelle peu déployée. Donc 79, nous sommes 10 ans après mai 68 et en fait le mouvement punk s'estompe à peine. Donc dans l'association, nous avions entre 19 et 25 ans. Et en fait, sans le savoir, on fait partie des derniers rejetons de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Voilà. Donc la conséquence, c'est que nous sommes insouciants et nous n'avons effectivement, comment dirais-je, pas la conscience formalisée de ce qu'on fait. Voilà. Et effectivement, les trans vont devenir pour nous, en fait, notre terrain d'expérimentation de notre existence et aussi le terrain de construction de notre trajectoire professionnelle. Voilà, comme l'a dit Inès, on n'avait pas du tout prévu de devenir directeur de festival. C'était pas du tout prévu. À l'époque, on était étudiants ou jeunes travailleurs. Donc, aucun d'entre nous n'a fait la formation initiale correspondant à la fonction qu'il a occupée qu'il occupe encore dans l'association aujourd'hui. Et on a appris, on a tout appris, en fait, par et sur le terrain. Donc on revient, comment dirais-je, au 14 et 15 juin 1979, c'est un concert de soutien et on a sollicité les artistes rennais avec lesquels on avait déjà une relation. Ils étaient très peu connus puisqu'il y avait très peu de concerts, ça on le savait. Par contre, nous pensions que la scène rennaise était une scène locale très dense, intéressante et effectivement diverse dans tous ses styles musicaux. Et donc on a sollicité les groupes, 12 sont montés sur scène pendant 2 jours à la salle de la Cité, salle d'environ 1000 places. Et en fait, un groupe a été repéré, c'était le groupe Marquis de Sade, et il est devenu en peu de temps, comment dirais-je, un groupe de référence au niveau national. Et donc, voilà, exit. Un an plus tard, on n'a pas refait les trans. Voilà, et ce sont les artistes et les publics qui sont venus nous voir en nous demandant pourquoi on ne recommençait pas. Et donc, en fait, on s'est dit, ben là, on a raté le mois de juin.
Et on va leur répondre, et on va leur répondre en décembre. En fait, à l'époque, c'était la seule période où il n'y avait pas d'examen à la fac. Voilà. Et oui, 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 j'ai raté mes examens de juin. Je ne les ai pas passés, en fait. Je les ai passés en septembre. Voilà. Donc, à partir de là, on a recommencé tous les ans avec effectivement le même principe, à savoir prendre des groupes très peu connus. Et très rapidement, on a étendu la sphère de programmation. De Rennes, on est passé aux régions, puis Paris, puis effectivement, comment dirais-je, l'Europe. Et maintenant, on est sur une programmation mondiale. Cette année au Trans, il y avait 50 nationalités, voilà, qui étaient représentées. Donc, à partir de cette seconde édition, en fait, on prend rendez-vous chaque année avec les publics. Et comme je viens de vous le dire, petit à petit, le projet grandit. Chaque édition, on va dire, conserve les autres qui sont précédentes et, on va dire, avance. Bon, on étend tout, on explore d'autres formes d'action. Et en fait, à chaque fois, on se confronte à des situations qui nous font penser que c'est pas parce qu'on a des bonnes idées qu'on va réussir l'action ou qu'on va la réussir complètement. Voilà. Et donc, en fait, on commence à travailler... l'évolution, on commence à travailler en fait l'adaptation de nos idées à nos contextes. Voilà. On utilise d'autres lieux et puis petit à petit on sort aussi de notre berceau, le berceau effectivement du festival, c'était la Cité. On s'installe aux Libertés qui fait 6000 places, c'est-à-dire c'est 5 fois plus grand que la Cité. Et puis en 90, on récupère la gestion de l'UBU qui est une salle de spectacle de 400 places. Et là effectivement c'est une date hyper importante dans la mesure où on récupère un lieu permanent. Et en fait, là, on commence à se rendre compte, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, comment dirais-je, de la différence entre les modes de configuration en spectacle vivant. Voilà. Moi, c'est une période fondatrice, à nouveau fondatrice, parce qu'en fait, en gérant cette salle, en ayant une expérience au quotidien avec les artistes, avec les publics, qui sont pour moi les deux parties prenantes les plus importantes de notre projet, et ben en fait, on prend conscience que les frontières du festival sont encore plus restreintes que ce qu'on pensait, et c'est le fait de gérer une salle qui va nous faire rénover à nouveau entièrement le festival. Voilà. Donc, finalement, en moins de 15 ans, nous passons de la fonction de diffuseur de concerts à la fonction d'acteur culturel. Nous passons aussi d'amateur à professionnel et de bénévole à salarié. Voilà. Juste un petit point, parce que je l'ai oublié. En récupérant l'UBU, on intègre l'accompagnement artistique et l'action culturelle de manière permanente. Bon, ça, c'est un point important. Et là, on va arriver, au point effectivement de bascule de la réflexion, qui va effectivement faire que ce parcours que je suis en train de vous raconter, de vous narrer, va effectivement prendre une trajectoire qui ne va pas être une trajectoire design thinking, mais qui va, on va dire, y ressembler un peu. Ce sera à vous de me dire si je suis design thinking ou pas, en fait. Hein. Voilà. Donc on arrive au 25e trans, ce sont les dernières trans en fait aux Libertés, donc la salle de 6000 places dont je vous ai parlé. On occupait le parking à côté qui était l'esplanade Charles de Gaulle et en fait on y mettait les espaces d'accueil des publics. Voilà. Et donc en fait, la mairie nous prévient qu'elle va tout modifier et qu'il va y avoir des travaux. Les travaux vont durer 4 ans. Ils vont commencer par le parking Charles de Gaulle, puis après par le Liberté. Et en fait, pour le coup, moi, j'interprète cette situation que j'analyse comme effectivement une perturbation du projet, à la fois dans son contenu, à la fois dans son envergure. Et effectivement, vous allez sans doute voir, je réagis beaucoup en tant que cofondatrice, quoi. C'est vraiment on va dire, boutade, un truc fondateur. Voilà, je suis cofondatrice des Trans. Nous sommes actuellement 2 cofondateurs parmi les 6 à être encore dans, dans l'association en tant que salarié. Jean-Louis à la direction artistique et moi à la direction de projet et direction générale. On est en co-direction collégiale depuis tout le temps. Et il y a un troisième co-directeur qui, pour le coup, entre guillemets, est un jeune. Il avait 2 ans quand les trans sont nés. Et c'est la première fois qu'un non-fondateur rentre en direction. Il est en direction chez nous, avec nous depuis 6 ans maintenant.
Voilà, parenthèse sur, sur le fait d'être cofondatrice. Bon, bref. Donc, en fait, je propose très rapidement de quitter le centre-ville et d'aller au Parc Expo. Le Parc Expo, c'est à 15 bornes de Rennes. On avait déjà expérimenté les planètes, qui étaient les soirées de clôture du festival. On a intégré la techno et les rêves en 92 et on a fait 3 soirées de clôture à 12 000 personnes, 95, 16 et 17. Donc, on connaissait le Parc Expo, donc je savais qu'on pouvait y travailler. Et je me dis, il vaut mieux tout changer. Il faut mieux, quitter carrément le centre-ville, hein, plutôt que d'avoir une période où on ne va plus être en maîtrise, on va dire, du site qu'on occupe, et on va être en réaction. Or, il faut effectivement que le projet reprenne sa place et son envergure. Donc, effectivement, j'en parle à Jean-Louis, et puis il me dit... pas sûr, on y va quand même, et très rapidement, en fait, je me rends compte que, contrairement à faire une soirée dans ce lieu, là, pour le coup, faire un festival, c'est totalement autre chose, et qu'en fait, tous les paramètres de production qu'on avait commencent à un peu exploser les uns après les autres, quoi. Et que cette décision que j'avais prise, en fait, me met dans une réflexion où il faut tout reconfigurer pour que les trans existent dans un lieu qui n'est pas du tout prévu pour les accueillir, quoi. Voilà. Et en fait, j'avais pensé que le Parc Expo était le moyen de continuer le projet, et là je me dis, pas sûr. Il faut effectivement qu'on retrouve la maîtrise du projet. Et donc, effectivement, je commence à interpréter cette situation comme tout reconfigurer. Donc, ça veut dire renaître. Et comment renaître ? Voilà. Donc, en fait, les changements qui m'amènent à penser que qui me font dire que tous les postes de production, explosent les uns après les autres, c'est qu'on est hors centre-ville, c'est à nous maintenant de gérer les transports des publics, c'est à nous de gérer les parkings, c'est à nous, d'accueillir les publics, et il faut tout redimensionner parce que c'est beaucoup plus grand. C'est aussi à nous de gérer tous les impacts de notre implantation, alors qu'on était en centre-ville auparavant, et que c'était la puissance publique qui prenait en charge ça. Donc toutes nos responsabilités d'organisateurs sont en fait totalement différentes. Et donc, je me prends la tête toute seule, et je commence à me dire, il faut effectivement réinitialiser le projet. Donc, je recommence la formalisation. Et en fait, vous allez voir là comment j'ai travaillé. J'ai plutôt réfléchi par association d'idées et par métaphore. Donc, comme j'avais un vrai problème d'énergie, parce que l'énergie que demandait l'implantation au Parc Expo était au propre et au figuré assez monstrueuse par rapport à ce que j'avais connu, j'ai pensé au développement durable. Donc, vous me direz que le développement durable, ce n'est pas uniquement faire des économies, ce n'est pas uniquement gérer l'énergie. Donc, c'était une entrée un peu étroite et un peu, peu dynamique. Et en fait, pour le coup, j'ai commencé à aller voir plein de gens déjà engagés en développement durable. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que j'étais venue chercher, à savoir des économies en énergie. En fait, j'ai trouvé les trois piliers, social pour moi, parce que c'est le plus important, l'économique et l'environnemental. Voilà. Et j'ai surtout trouver une pensée que moi j'ai analysée comme systémique et complexe, voilà, c'est-à-dire une pensée globalisante où en fait l'action va se situer à l'intersection des trois piliers. Voilà. Et donc en fait pour moi c'est la vision de la complexité où pour faire un projet en fait on conjugue différentes dimensions dont chacune va être indispensable à l'ensemble et au projet. Donc là j'ai rapidement fait la connexion intéressante entre développement durable, écosystème, festival. Voilà, festival comme un écosystème. Voilà. Ce qui a été aussi très excitant pour moi, intellectuellement, c'est qu'en fait, dans le développement durable, jamais il n'est prononcé le terme art, jamais il n'est prononcé le terme culture. Donc il fallait que je me pose la question de notre définition, où effectivement j'allais nous placer, nous, acteurs culturels, dans une démarche de développement durable. Voilà. Et à partir de là, je vais pas mal me poser la question de qui on est, qui sommes-nous. Voilà.
Je vais vous répondre par la suite de comment je vais nous définir. Et à partir de là, j'ai fait une autre association d'idées sur le travail d'architecte, parce que comme c'est moi qui écris le projet, je considère que je suis l'architecte du projet, et effectivement que Jean-Louis et Erwan, les deux autres co-directeurs, ont d'autres fonctions, mais que c'est moi qui vais poser les bases, en fait. Voilà, c'est comme ça que je conçois mon travail, et je suis très branchée architecture, et particulièrement architecture de Frank Lloyd Wright, qui est un architecte américain de la fin du 19e siècle, et il a sorti une notion que j'adore, qui est l'architecture organique. Et en fait, il pense, comment dirais-je, que, on va dire, dans un bâtiment, toutes les pièces sont des organes d'un corps. Le corps, c'est le bâtiment. Et il va aussi dire que tout bâtiment naît de son environnement. Et ça, Frank Lloyd Wright va me conduire, entre guillemets, à son mentor. Son mentor s'appelle... excusez-moi. D'où l'intérêt d'avoir des notes. Louis Sullivan. Et lui, il est architecte fonctionnaliste. Et effectivement, c'est lui qui a sorti « Form follows function », donc la forme suit la fonction. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a plu tout de suite. Je me suis bien vue là-dedans. Et je l'ai intégré au projet avec la formulation « De la fonction naît la forme ». Et en fait, ça commence à répondre à la question que je me pose « Qui sommes-nous ?». Voilà. Et après, j'ai fini chez Victor Hugo. Et Victor Hugo, il a dit un truc intéressant. Enfin, pas que ça. Hein. Il a dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Voilà. Et donc, en parlant de forme, en parlant de fond, c'est effectivement le design. Voilà. Et donc, comme moi, j'ai une formation lettres classiques et linguistiques, voilà, j'ai regardé l'étymologie du terme design. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Dessin et dessin. Dessin avec un E, dessin sans un E. Sans le E, pardon. Et donc là, ça collait parfaitement avec ce que je ressentais, que en fait, le dessin avec un E, c'est le fond, donc c'est le projet, donc c'est l'intention politique. Voilà. Et que le dessin sans le E, c'est la forme, donc c'est le festival, et c'est l'idée, enfin, comment dirais-je, c'est la manière dont l'idée va être concrétisée, quoi. Voilà. Et donc, j'ai dit, OK pour le développement durable, parce qu'en fait, là, ça, je m'y retrouve, en fait, là-dedans. Donc, on a enclenché un agenda 21. Donc, un agenda 21, c'est effectivement un programme d'action sur les trois piliers, sur tout le périmètre du projet, en intégrant l'artistique et culturel que j'ai mis, au centre. Alors, maintenant, je ne le mets plus au centre, mais je mets l'art au centre, mais je ne mets plus la culture au centre. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on part pour 6 ans. Voilà, cycle de 6 ans à chaque fois, et on n'arrête pas pendant 6 ans. Voilà, oui. Oui, on a marné. Hein. On a marné. Et en fait, la pratique développement durable, elle n'est pas simple du tout, parce que en tant que donneur d'ordre, vous devenez responsable de toute la chaîne d'action. Et toute la chaîne d'action... Ah, il me reste que 5 minutes. Ah, merde, excusez-moi. On devient responsable de tout. C'est la notion importante, c'est qu'on devient responsable de tout. Et effectivement, ça correspond bien à la fonction de production et d'organisation en spectacle vivant. Et cette responsabilité fait qu'on doit maîtriser le geste de production intégralement. Et en fait... à partir de là, intervient la norme ISO comme effectivement possibilité de maîtriser le geste de production entièrement. Parce que j'ai beau être directrice, j'ai beau prendre une décision, ça ne suffit pas pour qu'elle soit réalisée. Et ça ne suffit pas effectivement pour qu'elle soit bien réalisée. Voilà. Donc effectivement, je me dis, tu as été trop descendante, tu as été trop généraliste, et puis on n'a pas... T'as pas aidé l'équipe, quoi. Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, on recommence tout. Et effectivement, la norme ISO, on priorise. C'est le pilier social. Voilà. On est en dynamique horizontale. Donc, une implication et surtout une responsabilisation de l'équipe. La première réunion norme ISO, on était 40. 40 personnes. Et on se fait accompagner. Voilà. Donc, en fait, la norme ISO, elle a comme spécificité d'être certifiée par tiers extérieurs. Donc, on a commencé en 2011 le travail de la norme ISO. On a été certifié en 2013, décembre 2013, puis décembre 2016, puis
décembre 2019. Donc la certification de 2013 fait qu'on a été le premier acteur culturel français à être certifié et le troisième festival au monde à être certifié, un festival Rock in Rio et un festival à Göteborg. Pour moi, la norme ISO, en fait, c'est un outil méthodologique. Donc, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec... C'est mon ressenti, hein. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Et en fait, elle était intéressante parce que déjà, elle ne modifie pas les fondamentaux du projet. Ça, ça m'intéresse en tant que cofondatrice. En plus, elle s'applique à la conduite des actions et plus précisément au fonctionnement qui, effectivement, sous-tend la conduite. Et elle reprend les principes de développement durable puisque, effectivement, c'est une norme d'application du développement durable. Elle correspond à la prolongement de ma vision du design, donc de la fonction et la forme, par l'application d'un nouveau duo, entre guillemets, de la méthode de travail naît le fonctionnement. Et en fait, fonctionnement, pour moi, c'est la manière de répondre à nos différentes fonctions. Voilà. Donc, je vais effectivement accélérer. Donc, en fait, c'est quand même une discipline, la norme ISO. Comment dirais-je, il y a un travail de déconstruction du projet, de sa mise en œuvre, identification de toutes les parties prenantes avec documentation sur les parties prenantes, décloisonnement des segmentations habituelles parce qu'on s'appuie sur des processus et non plus sur des services, et une méthode organisationnelle à partir des responsabilités, avec de cette méthode une temporalité. Donc en français, c'est planifier, faire, vérifier, agir, et on a pas mal d'outils, cartographie des processus, tableau de suite, dialogue des parties prenantes, suivi des enjeux, plan d'action, tableau de bord. On a deux rendez-vous biannuels de revue de direction générale et un audit annuel, tous les trois ans audit de certification, tous les ans audit de surveillance. Voilà. Le troisième point par rapport à, comment dirais-je, le design thinking, c'est l'intégration des sciences humaines et sociales dans notre manière de travailler et de réfléchir. Donc en fait, là vous vous souvenez, je me suis posé la question « qui sommes-nous ?» Donc effectivement, pour y répondre, je suis repartie en fac, voilà. C'est effectivement, on va dire, plus simple. Donc, j'ai fait une maîtrise. Enfin, l'équivalent chez les vieux, c'est la maîtrise. Chez vous, c'est, chez les jeunes, c'est le master 1. Voilà. Donc, en fait, j'ai tenté de définir un festival à partir de la sociologie, temps, lieu, milieu. Et effectivement, j'ai identifié toutes les composantes, tous les pulses du festival. On a une convention de recherche et de partenariat avec la fac d'Avignon. Et effectivement, sur cette convention de recherche, c'est le travail de sociologie sur les enquêtes des publics. Enquête partie prenante dans le cadre du festival, c'est la partie prenante la plus difficile à connaître, 60 000 personnes. Et effectivement, là, le master 2 de sociaux vient tous les ans à Rennes, 40 personnes se déplacent, c'est eux qui font toutes les enquêtes et l'analyse sociologique de toutes les enquêtes. Comment dirais-je ? On a aussi maintenant le travail avec Rennes School of Business sur le white paper, où là, chose complètement différente, on travaille sur le schéma économique du festival et de l'association. Et on a aussi une extension maintenant à la géographie. Donc on va travailler à partir de maintenant avec un master 2 de géographie. Et comment dirais-je, pour terminer, donc en fait, la norme ISO, comment dirais-je, nous propose, on va dire, de travailler avec des principes. Donc les principes de la norme ISO sont le devoir de vigilance, devoir d'inclusion, devoir d'intégrité, devoir de transparence. Voilà. Et nous, on va rajouter effectivement les droits culturels, et donc la prise en considération des personnes. Et là, je finis vraiment en vous disant que le projet est écrit en deux parties. L'art est la matière, l'art est la manière. Donc ça, là aussi, c'est merci le design. Voilà. Non, mais il faut être opportuniste, intelligemment, mais opportuniste quand même. Et donc sur l'art et la manière... Donc en fait, on a enclenché en septembre un plan de réorganisation générale de l'équipe du fonctionnement, défini comme le processus d'adaptation de la structure dans ses différents modes de construction et de fonctionnement aux évolutions de la réalité de production et dans le respect du projet. Le projet s'appelle un art de se vivre. Et donc l'objectif étant de développer l'autonomie des personnes dans leurs fonctions et de privilégier un mode collaboratif, un mode projet. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai fini.